C'est une découverte macabre d'un corps sans vie dans la commune urbaine de Mandiana. Non loin de la justice de paix, c'est dans ce bâtiment inachevé que les mécaniciens qui travaillent aux alentours ont découvert le corps d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui n'avait aucun document sur lui pour son identification. Présent sur les lieux, cet officier de la police judiciaire du commissariat central de la police de Mandiana, M. Ibrahima Lamine Sila, nous parle d'une mort suspecte. Étant sur le terrain, nous avons découvert dans un bâtiment inachevé, entouré par des garages, le corps d'un homme d'une vingtaine d'années. Il est habillé d'un pantalon et d'un short de couleur rose, d'un t-shirt de couleur verte. Superficiellement, le corps ne présentait aucune trace de violence. Mais d'après les examens des médecins légistes, nous avons découvert des traces de violence sur son corps. Et sur la fesse gauche, nous avons constaté une blessure sanguinante. Cela, le coup était aussi sous l'effet du choc. Cela nous laisse entendre que c'est une mort suspecte qui remonte depuis 24 heures. À partir de là, l'enquête a été ouverte pour l'instruction de M. le juge de paix du Mandiana. Pour le vice-président du syndicat des transporteurs de la mécanique générale à Mandiana, dit avoir été informé ce matin. Vraiment, moi j'ai été informé par les mécaniciens qui travaillent ici qu'il y a un jeune, le corps d'un jeune qui est étalé dans le bâtiment. Aussitôt je me suis rendu à la police, on est venu ensemble. On a vu vraiment qu'il y a un corps. Selon le chef du quartier Noumoussoulou, ce corps serait le corps d'un voleur vivement recherché dans les quartiers qui utilisait l'huile sur sa peau pour échapper à toute tentative d'arrestation. Vraiment, c'est la commune qui nous a informé aujourd'hui de cette découverte de corps. Et aussi, on a informé les jeunes pour l'enterrement. Nous remercions beaucoup parce que c'est ce qui était difficile. Mais selon les habitants de mon quartier, que ce jeune-là, c'était un voleur vivement recherché. Lui, il utilisait l'huile de moteur. Là. Il partait chez les mécaniciens, il prend l'huile de moteur, il met sur sa peau, il va voler. Donc quand tu veux le prendre seulement, il y a l'huile sur sa peau, il échappe. Chaque fois, c'était comme ça. Donc cette fois-ci, peut-être c'est une personne qui l'aurait tué comme ça. Là. Bon, les enquêtes quand même sont en cours.